C'est ce mercredi 12 mai 2021 qu'a eu lieu la cérémonie de remise reprise du nouveau commandant 32e région militaire et les commandants sortants, les général-major Louyambi Madilou, Robert Stanislas. Cérémonie qui a connu la présence de commandants adjoints des opérations et renseignements, des directeurs de l'état-major 32e région militaire ainsi que le commandant adjoint 3e zone de défense, le général de brigade Nzambe Alembia. Au cours de cette passation, le commandant sortant, le général-major Louyambi Madilou, a remis le bâton de commandement tout en souhaitant bon vent à son successeur, le général de brigade Bitangalo Clément, car celui-ci aura une lourde tâche quant à la responsabilité qui lui est confiée par le gouverneur militaire de l'état de siège de la province de l'Ituri, conformément aux ordonnances du commandant suprême Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il a aussi informé à son successeur que la 32e région militaire couvre deux provinces, à savoir l'Ituri et les Haute-Ouélé, donc le nouveau commandant pourra s'y rendre question de palper du doigt les réalités sur terrain. Ce n'est pas de décider à la place du chef, puisqu'il n'y a qu'un seul chef. C'est ça la vie. Qui décide. Tout ce que vous pouvez faire, tout ce que vous pouvez dire, c'est dans le sens de proposition au chef, pour l'aider à décider. C'est ainsi que je vous demande de prêter main forte au général pour qu'il réussisse dans cette mission noble de la pacification du Touri. Prenant la parole, le nouveau commandant remercie le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, pour la confiance qu'il a placée à son endroit et remercie également son prédécesseur qui l'appelle affectueusement papa pour des conseils qu'il lui a prodigués, qui sera mis en œuvre pour l'exécution de cette lourde tâche. Ce qui concerne ma prise de commandement ici à la 32e région militaire, les militaires, policiers et populations doivent attendre de nous un appui total aux ordres, aux instructions qui viennent de la plus haute hiérarchie que nous devons nous exécuter. C'est nous qui allons donner corps à ces instructions. Après cette cérémonie, le commandant 32e région militaire, le général de brigade Clément Bitangalo, a aussitôt convoqué une réunion de prise de contact avec les officiers de son état-major, question de s'imprégner de la situation en cours avant l'arrivée de ses adjoints qui sont encore en route.
D'entrée de jeu, je voudrais d'abord vous dire que je suis l'homme le plus heureux. Qu'est-ce que la population peut attendre de moi? Voyez seulement comment ils se sont mobilisés ici. Le commandant suprême a vu que la population avait besoin de la sécurité, d'être sécurisée. Et pour cela, il a désigné, m'a désigné particulièrement pour être le gouverneur de la province de Victoria. Donc, à la population, je dis d'abord merci pour cette mobilisation. Et de deux, ils peuvent attendre de moi cette sécurité qui leur a manqué pendant aussi longtemps. Vous demanderez actuellement à cette population quel est le comportement que cette population doit avoir à cet état de siège. Qui doit aboutir à la paix? Certainement, il doit avoir un comportement que la population doit adopter. La population, il faut dire que il faut que nous créions ce que nous disons, une confiance, que nous reconstruisions cette confiance. Je crois que s'ils sont arrivés à ce point, quelque part, il y a eu ce qu'on appelle une rupture de confiance. Maintenant, nous allons reconstruire cette confiance en me voyant. Ils comprennent l'intérêt du commandant suprême et que donc je leur demande de collaborer. Ça fait longtemps. Moi, j'étais ici en 2012. Et en 2012, quand je suis arrivé ici, c'était pour aller au FPPI, à Gaiti là-bas. C'était pour le même problème. Et voilà que je reviens ici 9 ans après. Je crois que cette population est fatiguée. Fatiguée. Et ça, il faut que les gens comprennent. Il faut que les gens comprennent que la population est fatiguée. Et nous aussi, nous avons déjà compris qu'elle est très fatiguée. Spécialement moi qui étais venu ici pour faire cette paix encore en 2012. Donc, je leur demande tout simplement la collaboration. Qu'ils ne suivent, que la population ne suive pas la voix de sirène. C'est-à-dire tous ces, je ne sais pas moi, ces gens qui vont leur promettre des trucs. Non. S'il vous plaît, j'ai eu beaucoup d'informations de Kinshasa. Il y a des gens de mauvaise augure, des oiseaux de mauvaise augure, qui sont en train de dire ici, non, voilà, attendez seulement, on fait un mois, on cache nos armes, après un mois, il va repartir et nous allons reprendre. Jusque quand, mes frères? Hein? Jusque quand nous allons avoir ce comportement-là? Ces armes qui vont ressortir après, c'est pour tuer qui? Des brebis? C'est pour tuer qui? Ressortez ces armes-là. Il y a des fonds pour ça. Il y a le DDRC qui va venir. Ne pensez pas que je vais partir dans un mois si vous n'avez pas arrêté. Je serai là. Et ça, je vous dis. Et je serai sans état d'âme. Sans état d'âme. Pour ceux qui veulent bien coopérer, nous allons passer. Nous allons partir avec eux. Nous allons cheminer ensemble. Mais ceux qui ne veulent pas, spécialement les groupes armés étrangers, ils ne sont pas chez eux. Ils doivent quitter. Ils doivent vraiment quitter. Et pour la population, je leur demande la collaboration. Je ne suis pas venu ici pour tuer la population. Je suis venu ici pour leur donner la paix. Rien que la paix. S'ils veulent collaborer avec moi, je leur donnerai cette paix-là. Voilà. Moi, j'ai ramené une question. Vous pouvez passer aux hommes de troupes qui sont ensemble. Les hommes de troupes, je ne sais pas. J'ai vu un peu. Je suis sûr qu'ils ont vécu ce qu'on appelle l'attrition. Ils ont été résilients. Ils ont vécu l'attrition, c'est-à-dire comment je peux dire, des scènes très graves. Ils ont vu leurs amis qui ont payé, ils ont payé un lourd tribut. Nous sommes venus ici. Le commandant suprême m'a rassuré à tous les deux commandants régionaux, à tous les gouverneurs commandants régionaux. Il leur a rassuré des moyens qui vont venir. Donc, dans les 72 heures, je suis sûr que même nos troupes vont ressentir la différence. Voilà. Merci.